À l'âge moderne, la ville a la fièvre. Entraîné dans le tourbillon de la foule, l'homme y est devenu anonyme, modelé à la ressemblance d'un être idéal dont l'exemplaire le plus réussi se nomme Monsieur Tout-le-Monde. C'est pour Monsieur Tout-le-Monde que la ville a grandi sans relâche les frontières de son empire de pierre et de béton. Mais lorsqu'il s'agit de l'Algérie, la ville est aussi un curieux mélange. Un peu d'Orient, un peu d'Occident, un peu de Moyen-Âge, un peu d'âge atomique. Pour l'instant, au lieu d'un seul Monsieur Tout-le-Monde, le cocktail algérien en contient au moins deux. L'un d'eux est musulman, l'autre est européen. L'un peut se nommer Pierre Delmas, l'autre pourrait être appelé Hamed Ben Lakhdar. Lakhdar, Delmas, ils ne se connaissent pas, du moins pas encore, cette affaire d'occasion et de destin. Mais leur destin est d'une même coulée. C'est celui du monde technique de demain. Ce qui pourrait les séparer encore tient plutôt à une certaine façon d'envisager leur passé respectif. De sorte que, tiraillés entre ce passé et cet avenir, ils suivent la même route tout en donnant au monde l'apparence de se tourner le dos. L'immeuble où habite Lakhdar s'inscrit dans le panorama que Madame Delmas peut voir de sa fenêtre. Alors, tu viens? Je viens. Alors, voyons, tu sais qu'on va être en retard, quoi. Il est 3 heures. On devrait être parti depuis une demi-heure. Presse-toi, tu crois que j'ai que ça à faire? Il faut qu'on soit rentré pour 5 heures. La femme de Lakhdar et sa fille n'aiment rien tant que les flâneries dans les rues de la ville. Goût d'ailleurs partagé par la femme de Delmas. On va voir les magasins. Que voulez-vous, la mode est la ponctuation de la vie féminine et chaque vitrine pose un point d'interrogation bien sympathique. De sorte qu'il y a dans la ville des trottoirs privilégiés débordant de Lakhdar et de Delmas qui se croisent sans se reconnaître. L'école est un monde à part. Là, le meilleur camarade du petit Delmas est certainement le petit Lakhdar. Ce qui est vrai inversement. 10 cases à partir du haut. Vous êtes libre ensuite d'ajouter à votre gré quelques détails personnels, tels que des personnages, des arbres, des fleurs, des oiseaux dans le ciel. Alors que d'autres sont passionnés de commerce ou de mécanique, il n'est pas de plus grand plaisir pour Lakhdar que de nager dans la statistique. On peut affirmer sans exagération que son univers repose sur des colonnes de chiffres. Les seules colonnes qui semblent intéresser Delmas sont généralement faites de béton. Salut. Rodriguez est un ami de toujours. À demain, ça va? Demain, 10 heures. Bon, à demain. Ciao. Cependant, l'intérêt bienveillant porté à chacun par le receveur des contributions incite parfois Delmas à jongler lui aussi avec les chiffres. Il n'y a pas de raison non plus pour qu'un comptable soit rebuté par le bricolage. Pour Lakhdar, il n'y a pas de mauvaise solution. Il n'y a que des problèmes mal posés. Mais les petites victoires succèdent toujours aux petites défaites. Yo, d'abord, tu as quelque chose à dire? Tu as réussi maintenant ou tu n'as pas réussi? Oh,
اوه انت اللي شوفك تقول راك تبني في دار مالك وانت ما كان حاجه. En apparence, le décalage entre le mode de vie des deux familles n'est pas aussi sensible qu'on pouvait le supposer. L'Agdar et Delmas sont bien de leur temps. Tous deux aiment le confort et leur monde familier est différent, surtout par de petites habitudes. Quoi? Et alors, je t'en prie, il fait chaud. Si on peut pas se mettre à l'aise à la maison par un temps pareil, d'abord toi, tu fais toujours des manières. La source du passé de Delmas n'est guère difficile à retrouver. Babelwen. C'est là qu'habite son ami Rodriguez. Je crois que tu aurais mieux fait d'acheter des gâteaux. Parce que Rodriguez, il aime bien les fleurs, mais je suis sûr qu'il aurait préféré les gâteaux. Oh, déjà? On ne vous attendait pas si tôt, hein? Et Paul, il est là? Ah oui, il s'habille. Attendez, j'appelle Paul. Ils sont là. Eh bien, montez, restez donc en haut. Oh, vous êtes habillé. Tu as ta chance de pouvoir dormir jusqu'à 9h. Voilà, semaine, je travaille. Tu vois, sur terre, il y a ceux qui travaillent et ceux qui boivent la nisette, oui. Et toi, tu bois la nisette. Tu craches pas de bulle en plus, je te connais, hein. Tiens, la voilà. Entre Delmas et son passé, le décalage n'est pas grand. Historiquement, il n'a eu besoin de faire aucun effort pour se retrouver aujourd'hui, en plein 20e siècle. Bonjour, Jean-Claude. Ça vient? Voilà, on arrive. Il suffit de la visite d'un vieux grand-père pour lancer un défi à l'âge du frigidaire et de la télévision. Le passé de l'Agdar arrive en droite ligne d'un lointain Moyen-Âge. Pourtant, les Lagdars sont inséparables de leur passé. Il leur faut toujours concilier les ruines de ce passé vénéré avec le dynamisme de la vie moderne. Ce retour en arrière impose un climat d'artifice. Pourtant, illusion et réalité ne font qu'un. Là est le paradoxe des Lagdars. هكذاك نقدروا نشريوا شويه حوايج. L'illusion ne se prolongera pas au-delà du départ du vieux père. L'Agdar et Delmas n'échappent pas au destin commun d'être entraînés dans la ronde inexorable des saisons. Le temps des vacances n'est jamais que le prélude à la rentrée des écoles. De 1910 à 1955, dites-nous ce que vous savez. L'esprit est fait pour progresser. Vivre dans le présent consiste tout au plus à prendre ses dispositions pour la prochaine fois, pour ne pas être puni, par exemple. Ne pas bavarder à l'école est pour l'écolier le premier commandement d'octobre. Il est généralement écrit au registre du temps que novembre se couvre de nuages. L'hiver n'est pas loin. Pour les uns comme pour les autres, les fêtes sont des pierres blanches. Des histoires mille fois racontées que l'on croit toujours entendre pour la première fois. Même si on ne lui attache aucun caractère religieux, la fête de Noël est pour chacun une occasion de joie. Mais la course du temps ne s'arrête jamais. À l'hiver succède le printemps et l'Aïd el-Kébir. C'est la grande fête de l'islam. On ne sortirait pas de la maison ce jour-là sans porter sur soi quelque chose de neuf. La mouna est une sorte de brioche. Et quand les mounas sortent du four, Pâques n'est pas loin.
La fête de Pâques est pour toute l'Algérie l'occasion d'un gigantesque pique-nique. Monsieur Tout-le-Monde déjeune sur l'herbe et la mouna fait obligatoirement partie du menu. Un gros morceau, tu vois ce que je te donnerai. J'ai les yeux plus gros que le ventre. Delmas et Monsieur Tout-le-Monde, c'est tout comme. Ils sont nés sur la même terre, ils forment une communauté de goûts et de traditions. Mais la mouna Pascal, c'est un lien de plus entre les Delmas et les Lagdars. Certes, ils restent différents et, pour l'instant du moins, ils ne se connaissent pas. Pourtant, il est difficile d'établir le compte exact de tout ce que chacun doit à l'autre. Et cette coexistence féconde a fait naître l'Algérie moderne dont ils sont le prototype. Et sans peut-être qu'ils s'en rendent tout à fait compte, l'Algérie de demain est déjà commencée aujourd'hui.